Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Écho Menanto. C'est un phénomène qui se chiffre désormais, euh, oui, oui. Christian. Les ventes de produits du quotidien n'ont jamais autant reculé dans la grande distribution euh, depuis euh, 2008 et la crise. Euh, comment on l'interprète ce phénomène oh bah, D'abord, il y a le premier constat hein. on en met moins dans son caddie, mais on sélectionne mieux. Ces produits et les études sont sur ce terrain assez carré. Les achats de produits alimentaires, de beauté, d'entretien ménager ou d'hygiène baissent partout dans les grandes surfaces en volume. Le recul est proche de 1%, mais Partout dans la distribution aussi, dans le même temps, les chiffres d'affaires sont en hausse de 1,2 en moyenne. Et vous voyez qu'en période de faible inflation, c'est un écart significatif. Et pour les spécialistes, c'est l'indicateur qui ne trompe pas. Nous entrons dans un moment de consommation plus responsable, plus soucieux de son environnement, une phase de déconsommation réfléchie. Et c'est plutôt rasséréniant. Hein Sachez que chaque Français met à la poubelle 30 kg. De nourriture comestible chaque année. C'est la fin de l'âge d'or pour la, la grande distribution C'est en tout cas un sérieux coup de semonce, hein, dans un environnement où la déconsommation s'installe peu à peu. On le vit avec le secteur de l'habillement qui est déjà frappé de plein frais plein fouet par cette évolution. La nouvelle loi sur les reventes à perte et les limitations de promotion vont durcir la guerre des prix entre les six grandes enseignes qui rongent déjà hein, sur leur marge de rentabilité. Alors il y a aussi, hein, pour ces grandes surfaces, d'autres menaces qui pointent. C'est le recul de la démographie. Il y a moins de jeunes consommateurs à l'horizon et des seniors qui sont certes plus nombreux, mais qui ont des besoins plus réduits. Et puis encore, là, signe des temps, il y a le retour en grâce des magasins de proximité et des nouveaux réseaux de distribution comme Grand frais et ses clones qui sont en hausse de 12% ouais. l'an dernier et les magasins bio qui eux aussi ont une croissance à deux chiffres. Vous le voyez, notre consommation de masse se transforme, la mutation se fait aux dépens des grands temples de la conso qui sont nés dans les 30 Glorieux. Est-ce que le monde des hypermarchés peut disparaître hein bah, Leur mutation est déjà largement engagée. Nos six grandes enseignes se sont déjà associées dans des groupements d'achat, Elles débordent d'ambition dans le bio et les labels de qualité et elles se spécialisent sur les ventes les plus rentables. C'est un mouvement important qui est discret et qui pourrait n'être que la dernière étape avant celle de la concentration et des grandes alliances avec les géants d'Internet. Allez, vos plus. Hein. Le coût des vols hein, dans le BTP est estimé actuellement à 1 milliard d'euros par an et pour les PME du secteur, eh bien, c'est souvent la marge qui les sépare d'un chantier où elles gagnent leur vie d'un chantier à perte. Et puis, puisqu'on est dans le logement, sachez qu'Ibéa... Kika va se lancer dans le leasing de mobilier, de bureau. La prochaine étape, ce sera de nous louer des cuisines. Allez, votre note, c'est une mauvaise note et ce n'est pas la première fois qu'il en reçoit une de votre part. Ben oui, mais à chaque fois, il la mérite. J'y peux rien. Ben, moi, je, hein. je, je comprends. Oui, 5 sur 20 à Michael O'Leary. Alors, vous savez, c'est le PDG de Ryanair. Alors, sa société affiche une perte de valeur de 30 sur le dernier trimestre. Ben, et je crois que c'est qu'à force de maltraiter ses clients et son personnel, ben, la machine à cash, elle subit elle aussi des trous d'air. Moi, je pense qu'il y a une justice de temps en temps. Ah, oui. Quand, quand, quand quelqu'un prend un 5 sur 20 avec vous, il y a toujours une justice, Christian. Euh, on vous remercie.